Bonjour, Bernard Niguillot, je suis le président du Conseil d'orientation et de surveillance de la CEPAC. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour faire un petit retour sur ce qui s'est passé en 2018, puisque nous avons complètement renouvelé la gouvernance de notre caisse d'épargne, avec une équipe tout à fait nouvelle et motivée pour donner un nouvel élan à notre caisse d'épargne. Je voudrais également évoquer la composition du Conseil d'orientation et de surveillance, puisque nous sommes allés très loin dans la parité hommes-femmes, puisque aujourd'hui, dans notre Conseil, nous avons plus de femmes que d'hommes, et c'est un cas unique au niveau des caisses d'épargne de France. Je crois qu'il fallait le souligner. Nous allons maintenant veiller à un peu rééquilibrer les choses aussi. Et puis, nous sommes en 2019. 2019, c'est 20 ans après 99. 99, c'était, vous vous en souvenez certainement, l'année de création des caisses d'épargne sous leur forme actuelle. 20 ans de vie coopérative, c'est pas rien. Et je dirais surtout 20 ans de vie coopérative réussie, puisque la CEPAC est, comme beaucoup d'autres caisses d'épargne, une banque solide. Je pense que vous pouvez être fiers d'avoir accompagné cette réussite par votre action et par votre implication. Nous allons essayer de poursuivre et de développer tout ça. Et puis, des rendez-vous, il y en a. 2018, c'était le bicentenaire des caisses d'épargne. 2021, ce sera le bicentenaire de la caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, qui est l'ancêtre de la CEPAC. Et bien sûr, nous vous tiendrons compte des manifestations que nous organiserons d'ici là. Et puis, des rendez-vous plus immédiats. Chacun dans votre SLE, vous allez avoir rendez-vous avec votre conseil d'administration pour des AG qui sont, comme chaque année, conviviales et réussies. Et je vous y invite très chaleureusement. À très bientôt pour de nouvelles aventures de la CEPAC.